Hello à tous les amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu énormément content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de micros. Ouais, il n'y a pas que du Clacos en Normandie, il y a aussi des artisans qui fabriquent des micros haut de gamme. Géré par un certain Nathan, il y a une petite société artisanale qui s'appelle Euterpe, qui fabrique donc des micros en Normandie, dans le 76, à la main. Il m'a envoyé une petite paire de micros double bobinage super heavy, pour pouvoir bien entendu les tester, vous dire impartialement eh bien, mes impressions. Je les ai montés sur cette petite charvelle qui est là. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Sachez qu'avec le code NOEL21 qui est écrit juste en bas de l'écran, en majuscule et tout collé, vous pouvez avoir 15% de réduction d'ici Noël sur les micros de la gamme Euterpe sur le site. Donc si vous voulez, bah profitez-en. C'est en quelque sorte mon cadeau de Noël. Et elle a déjà été faite celle-là. Alors on va se la jouer YouTube hein, avec un petit unboxing des familles avec ce que m'a envoyé Nathan donc de Euterpe. Mon petit doigt me dit qu'il n'y a pas que des micros dans cette petite boîte que j'ouvre délicatement comme un gros cochon, comme vous pouvez le constater. Il m'a dit, il m'a prévenu qu'il y aurait peut-être quelques petits goodies supplémentaires, ce qui est vraiment très très gentil à lui. Donc on va découvrir ça tout simplement ensemble. Alors déjà, je constate qu'il y a un petit mot à mon attention, ce qui est toujours très gentil. J'espère qu'il n'y a pas d'insulte à l'intérieur. Non, pas du tout. Un petit mot que j'ai bien entendu lacéré de manière extrêmement métal avec ma paire de ciseaux lorsque j'ai ouvert la boîte. Donc, merci infiniment Nathan pour ce petit mot, c'est très gentil. Je remarque ma mégalomanie grandissante avec des sous-bocs gravés avec le logo. Voilà, c'est très très gentil, voilà, c'est super classe en tout cas. Donc merci infiniment, je vais vous parler dans un instant des artisans qui ont réalisé ces sous-bocs là ainsi que d'autres choses dans l'unboxing. Alors il y a une brasserie qui s'appelle du coup Union Bay qui va me permettre de parler de leur bière. Alors là c'est pas Union Bay qui ont réalisé le mug et les sous-bocs, mais ça je le savais pas lorsque j'ai déballé le paquet bien entendu. Donc il y a aussi un petit porte-clés cuir, ça c'est très très gentil. Mais malheureusement, Nathan, cher Nathan de Euterpe, tu n'achèteras pas mon impartialité avec ces petits goodies. Blague à part, donc, les gravures sur les sous-bocs en liège et le porte-clés ainsi que sur le mug ont été réalisées par Concept Créatif. Voilà, je mettrai les liens dans la description, bien entendu. Et la brasserie Union Bay, ou Union-Bay, hein, Union-Bay, je sais pas comment on prononce. Bref, me font goûter cette Ocarito, voilà, avec modération bien entendu, une bière brune apparemment de 7,7 degrés, donc je ne fais pas véritablement, si je puis dire, la promotion de la bière, je parle juste du brasseur, c'est à consommer avec modération bien entendu. Venons-en au fait avec les micrales, ah non, pas les micrales, il y a autre chose, un petit verre, voilà, petit grand verre si je puis dire. Avec des requins en sérigraphie, c'est super cool. Merci infiniment. Soif. Voilà. Un test de micro se transforme en unboxing de goodies de Binouze. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est terminé pour les petits cadeaux, c'est super sympa. Merci infiniment à Union B, Union B, et à Concept Créatif pour ces petits goodies. Lien en description. Et voilà, là, le nerf de la guerre, les micros Euterpe. Avec des petits caramels pour bien entendu continuer la corruption du testeur. C'est très gentil, mais je ne me laisserai pas prendre. Je déballe, bien entendu, les petits papiers de la boîte pour tomber donc sur les deux humbuckers super heavy. Un manche et un aigu, évidemment. Que l'on va tester tout de suite. Comme tout bon test qui se respecte au niveau des micros, on va bien entendu commencer en son clair. C'est parti. En son clair. Ah.
J'ai remarqué une belle droiture dans les palmutes, sur les graves. On a quand même une bonne tenue des fréquences, quelque chose de très précis, très droit, un petit peu comme bare knuckle, quelque chose qui n'est pour autant pas froid, ni équivalent à ce qui se fait dans l'actif, bien entendu, puisque ce sont des micros passifs, à 4 fils, hein, vous pouvez bien entendu les splitter, mais bon, là, en l'occurrence, sur cette Charvel, ce n'est pas le cas, hein. Ils sont tout simplement en mode full humbucker perpétuel. Donc je remarque beaucoup d'attaques, une belle précision, si vous vraiment vous aimez les micros précis, qui ne bavent pas et qui sont vraiment en mode j'attaque et j'entends les coups de Mediator, je pense qu'ils sont faits pour vous. Évidemment, ce sont des références avec indiqué Super Heavy, donc ça envoie la patate. Par contre, ils sont capables de pas mal de nuances, comme je vais essayer de l'illustrer avec ce petit backing track d'exemple. Maintenant, il sera dit qu'en Normandie, il n'y a pas que des vaches, il y a aussi des micros. Ah, je suis Jean-Philippe Cliché, mais je suis tellement un porc. En tout cas, ces micros m'ont convaincu. Je pense qu'ils vont rester sur cette petite Charvel. En tout cas, ils vont constituer une plaque. J'aime bien constituer des plaques pour pouvoir changer de temps en temps. Et puis, ça constitue aussi ma grade de test pour pouvoir changer un petit peu les micros au fur et à mesure de ce qu'on m'envoie. En tout cas les amis, je vous mets tous les liens dans la description pour aller sur le site de Terp. N'oubliez pas qu'avec le code Noël21, vous avez 15% de réduction d'ici Noël. En tout cas, je vous conseille de jeter une oreille, en tout cas de contacter éventuellement Nathan, qui répondra à vos éventuelles questions. Moi, en ce qui me concerne, je vous fais la bise. J'ai encore plein d'autres trucs à faire d'ici Noël. Je vous fais des bisous, bye bye.